Bonjour à tout le monde et je suis assez heureux de venir ici. C'est des grandes maisons où je n'opère pas d'habitude. Mon rayon traditionnel, c'est plutôt l'agronomie, mais céréales, élevage. Et en fait, on a décidé il y a quelques années avec Marceau Bourdarias, Alain Canet, puis d'autres collègues, Vers de Terre Production par exemple, d'investir dans la vigne. Pourquoi la vigne? Parce qu'on pense que la vigne est en danger et à mon avis en danger de mort. Quand je circule dans les vignobles, plus les sols sont riches en calcaire, plus ils se transforment en pierre, je dirais, et ça nous inquiète beaucoup. Le débat est autour d'une agriculture qui doit produire et protéger, c'est-à-dire produire de la qualité, produire des fruits, produire du vin, mais aussi protéger les sols, l'environnement, etc. Et de mon métier, je sais que le sol, c'est sans doute la base de tout le système. Donc on investit, alors ça fait une start-up de plus, un projet de plus, mais l'idée c'est que ce soit un petit peu plus ambitieux qu'un simple projet d'individu. C'est-à-dire que aujourd'hui, la thématique c'est régénérer. Régénérer quoi? En fait, c'est régénérer les sols, fatalement. Donc c'est toute la biodiversité des sols et on verra l'importance que ça a. Régénérer la biodiversité, parce que toute la biodiversité démarre d'une maison en bon état, et la première maison, ça reste le sol. Donc, pour avoir de la biodiversité, il me faut une maison en bon état et de la nourriture. Et tout le reste, c'est superflu. C'est la base de tout. Donc, de la nutrition, puisque finalement, on va commencer à produire des vins de qualité, etc., mais pas que. C'est-à-dire, toute la nutrition dépend de cette biodiversité. La santé qui va avec, un produit de bonne qualité, c'est déjà en bonne santé. Et il faudra régénérer le climat. Et on commence à comprendre que l'agriculture, c'est sans doute le seul outil à disposition de la société pour régler un problème climatique provoqué par la ville. Parce que c'est le monde urbain qui pose un problème. Et donc, l'idée, c'est de rentrer dans ces vignobles et de les regarder différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors pour faire ça, c'est un pari qui est né un petit peu, c'est l'histoire, c'est né à Marciac, on fait des conférences pendant le jazz, donc ça s'appelle Paysages in Marciac, et petit à petit, une certitude est née, c'est-à-dire que les ingénieurs, les agronomes, les agriculteurs, on s'est dit, on va créer une espèce de projet où on va se donner la main. Et un des emblèmes pourrait être le ver de terre, réellement. On commence à travailler beaucoup avec cet individu et on se rend compte que dès qu'il revient dans les sols, tout pousse. Une petite expérience en cours, nous avons des serres stérilisées par des bactéries et des virus, notamment en tomates industrielles. Vous y remettez des vers de terre, les tomates poussent. Alors on s'est attaqué à la bactérie, gagné en une année. Alors maintenant, on va s'attaquer au virus. On pense qu'on va gagner la bataille en une année. On va rentrer dans les serres avec des vers de terre, on va leur donner à manger et on plantera des tomates là où il y a des virus, sans sément, tellement agressifs qu'on ne peut plus cultiver ces sols-là ou ces milieux-là. Donc, ça, c'est la petite expérience en cours chez les maraîchers nantais. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, ce ver de terre, il est la clé de voûte de tout ce qui va se passer dans les systèmes sol vivant. C'est comme ça qu'on a appelé notre agronomie. C'est une agronomie sur sol vivant. Et là-dedans, on va travailler avec Alain Canet, qui est directeur chez Arbres et Paysages, avec Marceau, spécialiste de la taille, parce qu'on pense que la vigne, ça se taille, donc c'est important. Le regard et la pratique de la taille, c'est sans doute le premier geste qu'il va falloir apprendre et bien appliquer. Alors, Vers de Terre Production, qui nous accompagne aujourd'hui, ça nous sert finalement à diffuser du savoir. On a décidé de le mettre sur la toile gratuitement. Et j'en suis un des principaux actionnaires avec François Mullet, mon ami. Alors ensuite, avec l'IAD, qu'est-ce qu'on fait? L'Institut de l'agriculture durable, l'idée, c'était de mesurer les résultats des pratiques agricoles. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. Il y a les deux partout et il s'agit de trier
tout ce qui est bénéfique au développement d'une agriculture qui produit et qui protège. La vache heureuse, c'est là où je travaille, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, on a décidé de sauver l'élevage de tous les ruminants français, c'est-à-dire les éleveurs, on travaille avec eux pour faire une belle agriculture d'élevage. Donc hier, j'étais avec eux, les informations sont très bonnes, on peut sauver tout l'élevage français aujourd'hui, voilà. Donc ça marche, ça fonctionne dans un contexte économique difficile. On a travaillé beaucoup avec les vignerons indépendants à faire un tour de France, à s'imprégner des problématiques des vignerons dans les différents vignobles. Les vignerons du vivant, on les accompagne, ils nous accompagnent parce qu'en fait l'idée c'était aussi de se pencher sur un problème très particulier de la main-d'œuvre. Nous ne trouvons plus de main-d'œuvre en agriculture. Il y a eu un clash énorme dans la profession. Alors c'est pas que les vignerons, c'est tous les agriculteurs en règle générale n'ont plus de main d'œuvre. Et en plus on arrive à la croisée des chemins, c'est-à-dire à un changement de génération. Donc autant dire que l'agriculture pourrait être en faillite. Et là on se pose des questions sur le rôle majeur d'une profession. C'est-à-dire, est-ce que notre syndicat a bien fait son travail si on prend le syndicat majoritaire? Tout est sclérosé, tout est bloqué, on a du mal à bouger, tout est administré. Or, il va falloir sortir du cadre, chercher les innovations, il va falloir les intégrer dans le système. Donc là, avec les jeunes qui arrivent, peut-être que le mouvement sera plus rapide, et ensuite on travaille... On a commencé un projet avec la cave viticole de Buzet qui s'appelle La Belle Vigne, ou le vignoble New Age, si on prend les mots de Buzet. Et donc l'idée, c'était de planter un vignoble, de le mener avec les nouvelles pratiques agricoles, sans a priori de ce que l'on sait, parce qu'on voulait voir l'efficacité d'un sol vivant pour régler tout un tas de problèmes. Alors à la Belle Vigne, comment on va fonctionner? C'est de la recherche-action, c'est-à-dire il va falloir revenir dans les fermes en permanence et travailler avec les agriculteurs. Donc on identifie des problématiques paysannes, alors ça peut être le revenu, ça peut être la productivité, ça peut être la qualité, etc. Donc il y a toujours systématiquement un aller-retour avec ce que c'est la science, les techniciens et la technique. Ensuite, on réfléchit à créer des solutions spécifiques adaptées à cette problématique agricole. Ça permet de proposer des tests, des solutions. On va les tester. Il faut mesurer les résultats de ces nouvelles pratiques. On fait la synthèse. Et cette synthèse, elle va nous donner, en fait, de nouvelles pratiques validées ou validables que l'on peut mettre en développement dans un réseau. Pour la reproductibilité agricole. Parce qu'en fait, si vous avez un truc que vous ne pouvez pas reproduire chez personne, ça ne vaut rien. Et donc, ce débat-là, en fait, il tourne en boucle, en permanence. Vous pouvez aborder tous les problèmes d'un agriculteur comme ça et les résoudre au fur et à mesure. Et il faut mettre du mouvement, de la compétence. Et le premier travail engagé en 2020, c'est sans doute le plus compliqué de tous. C'est un regard sur les pratiques existantes, dans toute la diversité de ce qui peut exister, et on s'est mis au boulot sur l'identification d'une hypothèse redox pour mener à bien cette agriculture qui produit et qui protège et qui nous fait de la belle vigne. L'hypothèse redox, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que l'oxygène pourrait être le pire ennemi du végétal. Alors là, on est un petit peu inquiet, mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que quand les plantes font de la photosynthèse et qu'elles gardent le CO2, elles fabriquent un déchet qui s'appelle l'oxygène qu'elles rejettent dans l'air dont nous bénéficions. Et donc tout ce qui va oxyder les plantes, toutes les pratiques agricoles qui vont contribuer à activer le potentiel oxygène du système naturel sont probablement les pires ennemis de la gestion de nos vignobles, mais de l'agriculture en général. On le sait depuis pas très longtemps. Voilà.
Donc ça a été validé en 2015. C'est-à-dire que dès que le soleil tombe sur un sol nu, il le dégrade irrémédiablement pour le conduire dans le désert. Et là, vous pouvez être inquiet de l'arrogance de certaines cités qui toutes disparaissent dans le désert. Toutes les grandes villes qui nous ont précédées ont disparu dans le désert. Donc on doit s'interroger sur cette fonction particulière, c'est-à-dire le soleil plus les sols, eh bien qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va activer l'oxygène qui va oxyder l'humus, qui va le minéraliser et qui va le perdre. Et donc la bataille de l'agriculteur, ça va être de gagner la bataille contre l'oxygène. Or, du coup, on fait un pari, une hypothèse de travail très simple. En faisant de la bonne taille et en couvrant les sols, parce que c'est la règle de la nature, nous serons capables d'en restaurer la fertilité organobiologique. Et les résultats attendus sont énormes, parce qu'en fait, en adaptant la taille depuis la plantation et peut-être même la création de plants et la plantation elle-même, eh bien, l'agriculteur sera un producteur de biodiversité, il séquestrera du carbone. Malgré que ce soit très polémiqué aujourd'hui, la couverture, les arbres, on aura une adaptation de la fertilisation et on pense que les vignes deviendront auto-fertiles. C'est-à-dire, il n'y aura plus de fertilisation. C'est les plantes qui font le job. On pourra développer des solutions de biocontrôle. Mais en fait, si vous voulez faire de la lutte biologique, il faut d'abord avoir la biodiversité. C'est-à-dire, il faut produire la biologie réellement. Parce que c'est la biodiversité que vous produisez qui est l'acteur du biocontrôle et de la lutte biologique. Le pulvérisateur, c'est l'outil royal. Tout peut passer dans un pulvérisateur et c'est un outil très précis pour travailler. Donc ça aussi, ben, on voit tout le problème que ça va engendrer au sein de la société. Et ensuite, ben, les premiers résultats arrivent. Nous avons déjà des vignerons avec peu ou pas de pesticides. Donc, il s'agit de comprendre ce qui se passe dans ces vignes-là. Et c'est toujours lié à des pratiques agricoles. Voilà. Et l'idée, c'est de faire en sorte que chacun d'entre vous puisse porter l'image de cette belle vigne, récupérer ces thématiques-là pour faire un vin de qualité. Voilà les images de notre belle vigne. Il y aura fatalement des arbres, ce sera fatalement couvert, ce sera fatalement bien taillé. Et là-dedans se développe de la biodiversité, c'est-à-dire que ce sont des photos que vous avez dans les vignobles aujourd'hui. Alors on nous dit, la vigne est petite, on ne peut rien faire, mais bon, j'interviendrai tout à l'heure, je vous montrerai ce qu'on peut faire dans une vigne de 1 mètre avec une masse végétale extraordinairement performante. Voilà. Et donc on innove, c'est-à-dire que ben, c'était impossible, mais ça devient possible. En fait, pas peur de nous attaquer à résoudre des problèmes. Je vous remercie. Voilà la belle vigne. Elle est en route. Elle est à votre service. Merci beaucoup. Merci, Conrad.